Coucou la bichonnerie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon rangement make-up. Aujourd'hui, ce sera les poudres fond de teint, c'est-à-dire le deuxième tiroir. Normalement, vous avez vu la première partie où je parlais de mes fonds de teint, où j'ai trié, rangé. Donc voilà, et aujourd'hui, on va s'attaquer au deuxième tiroir, qui est le tiroir des poudres et concealers. Hashtag... anti-cerne, j'arrive même plus à parler. Hashtag correcteur. Voilà, c'est le bordel. Donc c'est parti, hein, si vous voulez voir ça avec moi, comment je range, comment je stocke, comment ce que j'ai. Donc voilà, c'est parti. Yeah, all the party I look so. Da, all the party I look so. All my girl them turn up and I look so. Ok, donc c'est parti, c'est vraiment le bordel ici. On va commencer par les poudres. Ma poudre, donc c'est les poudres aussi bien de finition que de pour fixer l'anti-cerne. Donc celle-ci j'utilise surtout pour la finition, la poudre de chez Beauty Bakery. Bakery, j'en ai parlé un milliard de fois, donc ça oui je garde. Ensuite la poudre de chez Sacha, la Buttercup, bon ça aussi je l'adore. Je vous ai dit la différence pour moi entre la Beauty Bakery et celle-ci, c'est juste que je trouve que la Beauty Bakery est vraiment plus fine. Et elle les deux floutent, mais celle-ci va flouter un petit peu plus, mais elle est surtout très fine, ça lisse le grain de peau, c'est génial. Donc voilà, après la Sacha est légèrement aussi un peu plus jaune, mais deux superbes poudres, génial. La poudre Laura Mercier, donc ça je vais pas vous en parler 10 000 fois. En plus je vous en ai parlé dans ma vidéo Beauty Favorite, donc je l'ai en medium deep et en translucent. Ça bien sûr je garde. Les poudres, qu'est-ce qu'on a ici? On a la Mineralize Skin Finish de chez MAC en teinte dark. Bon ça aussi je garde, c'est sûr. La Bare Pro, ça aussi ma poudre chouchou de l'année 2017 et je crois de tous les temps, ça je l'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme poudre? Ça par contre je pense que je vais peut-être la virer. C'est la BH Cosmetics. J'adore cette poudre mais ça fait un moment que je l'ai. Je vais regarder... Alors je l'ai en teinte 250, je vais regarder ça parce que ça fait un moment que je l'ai. Oh quoique non, je vais la garder parce que... Et j'adore l'utiliser. Non je la garde. Je la garde. La poudre de chez ELF, la High Definition Powder. Alors ELF n'existe plus en France, c'est du grand n'importe quoi. Je l'ai goûté, cette poudre est vraiment top. Poudre translucide. Mais super fine, franchement pour le prix elle est vraiment géniale. Donc elle fait le job, elle fixe bien l'anti-cerne, c'est pas la poudre qui va flouter etc. Mais en poudre de finition elle est vraiment top, donc voilà. La poudre de chez Kat Von D, par contre cette poudre est chiante. Elle reste pas en place, c'est hyper chiant. Donc celle-ci, oh là là. Mais elle est géniale, elle me fait penser justement à celle de Beauty Bakery. Un peu si je puis dire, ouais franchement ouais c'est vrai que elles ont un peu le même effet. Après je dirais peut-être que celle-là est un peu plus mate. À voir, faudrait que j'essaye. Faudrait que je fasse que j'essaye la poudre, les deux poudres en une seule fois, enfin sur le visage. Enfin, t'as compris, tu vois ce que je veux dire. Et voilà, mais ça, c'est la poudre que j'ai ressortie en ce moment et que j'adore énormément. Je l'ai en teinte golden de la bombe. Ensuite, la Studio Fix ANC47. Alors, je l'ai rachetée parce que je vous disais dans ma vidéo MAC que je l'ai depuis des années, cette poudre, enfin que je l'avais depuis des années. C'est une poudre que j'aimais beaucoup, mais en fait, là, avec mon type de peau. Déshydraté au niveau des joues, quand je veux vraiment... Si tu la mets par-dessus un fond de teint lumineux, c'est top. Mais c'est trop mat. Comme d'hab, c'est comme le fond de teint liquide, c'est trop mat pour ma peau. Donc je pense que ça, je vais la donner parce que je peux rien faire avec en fait. À chaque fois que je la mets, je déteste le rendu. Donc hop, ça on va mettre de côté. J'ai la Sacha version compacte. Parce que quand je voyage, c'est juste de la bombe. C'est juste ce qu'il vous faut. À choisir, je vous dirais d'acheter celle-là plutôt que d'acheter en pot parce que c'est trop galère quoi. Les poudres libres, c'est vrai que c'est bien, c'est pratique, mais ça a exactement le même effet. Et quand tu voyages ou que si tu le mets dans ton sac à main, parce que celle-ci je peux utiliser aussi sur ton visage, c'est de la bombe. Donc ça là, achetez-le. Moi je l'ai acheté sur Amazon, il me semble. Ouais, sur Amazon. La poudre de chez Black Huck, la Two Way Cake. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je la réutilise pas. J'adore cette poudre. Autant celle-ci à mettre par-dessus un fond de teint, elle est top. Par contre, pareil, elle est trop rosée, quoi. Après, je trouve pas ma teinte. J'ai la TW04. Donc, pareil, ça passe, hein. Mais tu le vois, en fait, là. Je pense pas que vous allez voir grand-chose. Moi, je le vois, c'est légèrement un peu rosé. Ou peut-être rouge, je sais pas. Mais très, très, très bonne poudre. En parlant aussi de très, très, très bonne poudre, la matte définition. Donc, je l'avais reçue de Black Up.
Et elle est arrivée cassée. Et du coup, il me l'avait renvoyée. Du coup, ma nièce a refoutu ses doigts dedans quand j'étais en Guadeloupe. Donc, du coup, j'ai dû la laisser là-bas. Et du coup, je garde celle-là. Et ben, l'été, voilà, quand je vais utiliser, j'utilise celle-là. Ça fait pitié. Hein. Mais cette poudre, de toute façon, je vous l'avais conseillée. Beaucoup de gens l'ont achetée. Beaucoup de gens l'ont kiffée. Elle est pas trop mate, cette poudre. Elle est vraiment juste comme il faut. Elle fixe bien. Si vous avez la peau grasse, elle est parfaite. C'est une poudre qui est un translucide. Hein. Donc, voilà, ça, elle est un peu bizarre au niveau de la couleur, vous allez me dire, mais pas du tout, non, ça rend pas, bon, je vais pas l'ouvrir parce que vous avez compris, mais non, c'est un, au niveau de la couleur sur la peau, ça a pas un effet grisâtre quoi que ce soit, enfin en tout cas moi sur ma peau, ça passe crème, donc voilà, mais je crois que, tant pis, je vais la racheter parce que j'en ai marre, parce que c'est le genre de truc là en fait qui fait que ça salit tout ton truc, donc tant pis. Ça c'est quoi? Ah oui, c'est ce qui allait avec la mini poudre Laura Mercier. Aux États-Unis, ils sont forts, parce que ça ils le vendent à la caisse, j'avais acheté au Canada, et dans la boîte il y avait ça, donc c'est de la bombe. Des éponges, ça dépanne toujours. Ensuite, on passe aux anti-cernes. J'ai une passion pour les anti-cernes, je m'en rends compte. C'est du grand n'importe quoi. J'en ai plein. Donc là, j'ai quoi? Un gel Inglot que j'ai toujours pas utilisé, qui n'a rien à faire là. Ça, je pense que je vais le jeter. Ça fait un moment que je l'ai. C'est la palette correctrice de chez MAC, vous savez, où il y a toutes les couleurs là. J'avais celle de NYX que je n'ai pas du tout aimée. D'ailleurs, je crois que je l'ai donnée, il me semble. Celle-ci j'ai kiffé, du coup il reste que la jaune, quoique la teinte jaune est pas mal. Vous pouvez aussi corriger avec le jaune, hein, n'oubliez pas, hein. c'est pas interdit, hein. Donc faut pas en mettre trop, mais vous pouvez corriger avec du jaune, vous pouvez utiliser aussi en tant que, si vous voulez illuminer un peu le dessous des yeux, enfin voilà, pourquoi on n'utiliserait pas du jaune alors qu'on utilise des poudres jaunes, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, mais bon, c'était surtout l'oranger, et ça bah, tu peux faire ton contour avec aussi, donc cette palette est vraiment géniale, mais là... elle a fait la guerre, et puis vous voyez au niveau de la matière, ça brille trop, ça a fait son temps, je crois que j'ai ça depuis plus de 2 ans, donc ça je pense que ça appartient. Cette palette de chez Sacha, je vous en avais parlé au tout début de ma chaîne, je l'avais achetée chez MB Beauty, et je sais pas pourquoi je l'ai pas réutilisée, parce que cette palette a vraiment de jolies couleurs au niveau de la correction, mais pourquoi je l'ai pas, je crois que c'était parce que c'était crème, ou alors, non, pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser? Ah non, c'est que les teintes sont trop rosées, sont trop neutres, voilà. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était ça. Donc au niveau du contour, ça c'est top. Mais au niveau des, si je puis dire, anti-cernes, c'est trop rosé en fait. Ouais, c'était pour ça. Mais c'est dommage parce que encore une fois, les couleurs sont... Le panel de couleurs, je trouve joli, mais ça me va pas. Donc je pense que... Ah non, c'est foundation. Bah c'est encore pire. Bah oui, c'est pour ça. D'accord, non, alors oui, bien sûr, tu peux t'en servir en tant que cerne, on est d'accord, mais non, c'est foundation, ok, cream to powder foundation, attends, celle-là, elle allait pas, au pire, celle-là, mais c'est, ouais, les couleurs, c'est, tu vois quoi, c'est pas trop ma couleur, donc ça, je vais refourguer, si quelqu'un, ça intéresse quelqu'un. Alors, on passe aux anti-cernes et j'avais acheté le Radiant Creamy Concealer de chez NARS en teinte caramel qui est 10 fois trop clair. Donc, bien sûr, qu'il faut mélanger avec un autre anti-cerne. Mais j'avais pas aimé du tout la texture. D'ailleurs, je crois que je l'avais gardé pour vous en parler dans mes produits terminés. Mais j'aime pas du tout. Je l'ai quand même utilisé, quoi. Mais j'aime pas le rendu en dessous de mes yeux. C'est dingue. Moi, je trouve qu'il est mat, quoi. Je trouve pas, que c'est lumineux ou... Bon là ça va être lumineux parce que c'est plus clair, mais je sais pas, je suis pas fan. Je vais peut-être racheter la version, parce que là je crois que je l'avais acheté en 2016, il me semble. Donc peut-être qu'entre temps ils l'ont reformulé. Mais en dessous des yeux j'ai pas du tout aimé, donc ça aussi je vais m'en débarrasser. Ensuite on a ceux de chez Too Faced, donc c'est des anti-cernes que j'aime énormément, surtout au niveau des couleurs. C'est juste que ça file dans les plis, ça me rend ouf. Faut bien les fixer, mais sinon c'est vraiment de très bons anti-cernes. Si vous avez, c'est très hydratant, c'est très lumineux. Si vous n'avez pas trop de ridules comme moi, franchement top, allez-y, il n'y a rien à dire. C'est juste que moi ça file dans les plis, donc voilà. En plus j'avais acheté 2 couleurs, mais je le mets tous les jours pour les finir, parce que je les aime beaucoup, je les poudre bien. Mais c'est pas les anti-cernes que je mettrais pour sortir, etc. Ça c'est mort. Mais pour tous les jours, c'est pas mal. Le full cover de chez Make Up For Ever que j'ai ressorti là justement. Ce truc couvre super bien. C'est de la bombe. Je l'ai en teinte... En teinte quoi? Ça s'est effacé. 14. Voilà. Un correcteur orange de chez Inglot que j'ai acheté cet été en Guadeloupe. Le prolongueur, bon ça c'est sûr, un indispensable. Ça c'est quoi? C'est le truffle, je crois. Non, c'est le suède de chez Fenty Beauty. Mais je peux m'en servir comme fond de teint. C'est des matchsticks, donc c'est clair que tu peux t'en servir en tant que fond de teint.
En tant que anti-cerne sous les yeux, zéro, ça file dans les plis aussi, je déteste. Mais là, je vois la couleur, ça m'a l'air pas mal. Donc, je vais essayer de voir si je peux l'utiliser en tant que fond de teint. Je vais le mettre dans le tiroir à fond de teint. Hein? Hop, voilà. Le concealer de chez Kat Von D que j'aime bien, juste il file dans les plis. Par contre, la couleur, elle est terrible. Et c'est hyper couvrant. C'est juste que ça file dans les plis. Donc voilà, mais ça, je le garde, c'est sûr. Celui de chez Nars, oui, bon, ça, c'est sûr. Hein, teinte amande, vous connaissez déjà, vous en avez parlé 10 000 fois. Les correcteurs de chez Iman, j'ai une vidéo à venir dessus. Donc je vous en parle pas trop. Vous saurez très bientôt ce que j'en pense. J'ai celui de chez Sephora, le Bright Future Gel Serum Concealer qui est vendu. Enfin, cette couleur est vendue seulement aux États-Unis en couleur Dulce de Leche. Et ça fait un peu office de correcteur parce qu'il est assez orangé, tu vois. Donc du coup, parfait quand tu veux juste mettre, juste corriger un peu tes cernes noires sans forcément passer par le correcteur orange. Il est top, mais sorry, c'est qu'aux États-Unis. Ensuite, celui de chez Ofra, j'ai détesté. Alors ça, je vais m'en séparer. Ah, ça, je l'ai mis. Oh là là, oh, la couleur, mon gars. Oh, ah non, j'adore les produits Ofra, vous le savez, mais ouloulou, ça, j'ai détesté. C'est trop mat. C'est le rendu sur la peau est juste pas beau. C'est nul. De toute façon, ça a fait un flop. Hein. C'était pas le meilleur anti-cerne illuminateur que Ofra ait pu sortir. Hein. Franchement, zéro. Les Shape Tape. Bon, hein, voilà, hein, on sait déjà. Le Double Wear, on sait déjà aussi. Le LA Girl, pourquoi je jette pas ça? Ça fait 10 ans que j'ai ça, il est mort le truc, il doit faire de l'eau. Je crois qu'il y en a... Ouais, tu vois, il fait de l'eau, ah oui, il est mort, poubelle. J'avais en teinte Toffee et Fawn. Mais pourquoi j'en rachète pas pour 3$, franchement top, mais là, c'est fini. Le No Filter de chez Colourpop que j'ai en teinte Golden, Deep Golden. Voilà, ça aussi, hein, on va pas vous en parler 10 000 fois, c'est de la bombe. Le Maracuja Crisless Concealer de chez Tarte, ça fait au moins 2 ans que j'ai ça, donc j'avais pas pris la bonne couleur. Ce truc est tellement couvrant, plus épais que le Shape Tape, mais alors couvrant. Moi je trouve ça hydratant, j'adore cet anti-cerne. D'ailleurs, je l'avais complètement oublié, donc bien sûr, hein, je le mets en tant qu'highlight, hein, c'est pas un anti-cerne que je vais mettre tout seul, mais j'adore infuser en plus en maracuja et tout, enfin, il est top ce truc. Les anti-cernes de chez Urban Decay, donc j'ai le Naked Skin et le... Voilà ça, le All Nighter. Le... Alors ça, c'est un soin de chez Benefit, c'est anti-cerne et contour des yeux. Et franchement top, hein, les jours où vous voulez quelque chose de léger, vraiment un go-to make-up, un truc simple, voilà, où t'es pressé, t'as pas mis ta crème pour les yeux et tu veux en même temps un peu couvrir tes cernes, tu utilises ça. Par contre, c'est pas couvrant, c'est le fake-up, c'est pas du tout couvrant, les gars. T'as les grosses cernes noires, c'est pas ça qu'il faut mettre, mais pour un résultat vraiment naturel, ça c'est top. Le Cream to Powder de chez Iman, j'ai pas encore compris le pourquoi du comment de ce truc. J'adore la couleur, j'adore la texture, c'est une texture poudre crème, mais j'ai pas encore tout compris, donc il faut encore que je me renseigne et que je regarde des vidéos là-dessus parce que je sais pas comment utiliser en fait. Un anti-cerne de chez Nakara, alors c'est une marque que j'aime bien, canadienne, spécialisée pour les peaux noires. Tu vois, la couleur elle est pas mal et on dira rouge à lèvres, mais c'est un anti-cerne, faudrait que je vous en parle aussi. Ensuite, l'anti-cerne de chez By Terry, ça je vous en ai déjà parlé. L'anti-cerne de chez MAC, le Matchmaster, voilà, que j'utilise surtout pour faire de l'highlight en dessous des yeux. Ça, ok. Ça, je garde. Le Prep and Prime en teinte Dark Deep aussi, ça je vous en ai déjà parlé. Excellent pour les maquillages très légers, les make-up, no make-up, tu vois, un truc vraiment léger. Le correcteur de chez Biège Cosmétiques, je ne jurais que par ça à une époque. Un excellent dupe pour celui de chez MAC. Et je le préfère à celui de chez NYX. Pourtant, je crois qu'il est encore moins cher que celui de chez NYX, mais je le préfère 10 000 fois. Mais par contre, je crois qu'il a fait son temps. Ce qui est chiant avec parfois ce genre de produit, c'est que ça vieillit un peu mal. Bon, c'est normal, au niveau de la formulation, c'est pas un produit non plus qui coûte super cher. Donc voilà, mais je vais voir. Je vais voir le Bare Skin de chez Bare Mineral, j'adore. Là, je l'ai en teinte tan, du coup, je l'ai racheté en teinte deep, puisque pareil, Bare Mineral ne sera plus vendu en France. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, voilà. L'anti-cerne de chez Smashbox aussi, donc que j'ai pris pendant les soldes. Le Studio Skin Waterproof Concealer. Ça, non mais pourquoi? Ça, je l'ai utilisé qu'une seule fois. C'est le Acne Fighting Foundation. Déjà, qu'est-ce qu'il fout là?
Mais ça, je vais le donner, hein. Parce que je crois même que je vais le jeter, parce que ça va faire plus de 3 ans que j'ai ça. Et je l'ai ouvert, et c'est parce que c'est pas la bonne teinte, c'est la teinte plus foncée. Et voilà, c'est pas la bonne teinte, donc ça, je suis obligée de le jeter. Le Peach Lustreur, le Peach au Lustre de chez MAC, vous connaissez déjà. Ça aussi, je vous en parle pas assez, mais j'adore ça. J'utilise aussi tous les jours quand je voyage. C'est le duo de poudre de chez Bare Minéral. Ça m'embête maintenant de vous parler de ça, parce que Bare Minéral, alors, sera plus vendu en France, mais vous trouverez sur Filles Uniques, etc. Et vous avez un côté poudre translucide et un côté poudre highlight. Alors, ça paraît blanc comme ça, mais ça donne un léger glow à la peau. C'est pareil, c'est parfait pour les gens qui n'aiment pas trop se maquiller, qui veulent des choses légères. Ce duo de poudre est génial. Et un échantillon de... C'était quoi? La marque Pure Cosmétique, que j'avais reçu dans mes Ipsy Glam Bag. Mais je crois que j'avais pas aimé celui-là. Et c'est quoi une boîte vide? On sait pas trop pourquoi. Ah non, c'est pas une boîte vide. Ah, c'est le concealer de chez NYX que je déteste. Oh mon dieu, trop épais. C'est un peu un dupe de celui de chez Tarte, mais la consistance, alors, mais zéro. De toute façon, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait première impression. La couleur était pas mal, je crois, il me semble. Hein. Enfin, pas mal pour faire de l'highlight, on est d'accord. Mais hyper épais. Non, laisse tomber. Bref, vous voyez, je l'ai même pas utilisé tellement il reste un peu neuf. Trop épais, je trouve difficile à estomper. Bref. Ça peut convenir à d'autres personnes, à moi ça convient pas du tout. Et comme d'habitude, alors là il faut vraiment que je nettoie et que j'achète que je rachète des boîtes. Parce que là c'est la dèche. Je sais pas dans quoi les stocker, donc c'est un peu difficile. C'est très très difficile. Cette poudre est chiante. Ouais, je viens de nettoyer et ça déborde en fait. C'est super chiant. Voilà, c'est tout propre. J'ai terminé mon rangement. Du coup, ouais, c'est top. Là, j'y vois vraiment plus clair. C'est propre et du coup, j'ai fait le tri. Donc là, c'est vraiment les produits que j'utilise le plus. Souvent, tout le temps même. Donc voilà, c'est pour moi c'est parfait. C'est vraiment ce qu'il faut. Il y a de tout. Après, j'essaie vraiment de finir, un peu certains qui sont là ouverts depuis un peu plus longtemps. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise tous les jours, vu que je maquille tous les jours. Là, j'ai mis les poudres de finition. Celle-là, celle de Elève, j'utilise moins. Donc du coup, ça, je l'ai mise au fond. Le correcteur aussi. Celle de chez Bare Minéral, je vais la mettre là. Tiens. Hop. Et donc en gros ça donne ça. Les deux correcteurs je les ai mis à part, comme ça au moins je peux voir si je cherche mon correcteur. J'ai pas fouillé, je sais que c'est là. Donc voilà, bah, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Comme d'habitude mes bichons, en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, profitez de la vie. YOLO, Wakonet, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, bye. Travel like the narco, narco. Got dope like Pablo. Pablo. Cut dope like Pablo. Cut dope. Chop trees with the Draco. Draco. On the north got Diego. Diego. Say,